Bienvenue dans notre documentaire interactif « Phénomènes inexpliqués ». Si vous souhaitez écourter ce chapitre d'orientation, vous pouvez démarrer le programme en cliquant sur la souris à tout moment. Ce guide vous expliquera sommairement la structure du programme et les touches de contrôle que vous pouvez utiliser. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas tout mémoriser. Vous aurez toujours la possibilité de revoir ce sommaire par l'intermédiaire de l'icône de contrôle placée en bas à droite de votre écran. Vous êtes au menu principal. Et à partir de là, vous pouvez choisir le passage de phénomènes inexpliqués que vous désirez explorer. Vous pouvez également choisir de consulter le cours Programme d'introduction ou bien la partie Information complémentaire du programme ou encore sélectionner l'icône Mystère qui fera apparaître l'une des 500 pages de ce programme. En sélectionnant un thème, vous basculez dans un chapitre où vous trouvez une introduction et 5 commentaires. Vous pouvez sélectionner l'une de ces parties ou alors sélectionner « Tout voir » pour les laisser toutes défiler automatiquement l'une après l'autre. Chaque commentaire est divisé en 3 parties. Les 3 icônes numérotées en haut à droite de votre écran vous permettent de passer de l'une à l'autre, sinon vous pouvez les laisser défiler. Vous pouvez vous arrêter sur un commentaire à tout moment en cliquant sur l'icône « Pause » puis un nouveau clic pour reprendre le déroulement du programme. Vous pouvez retourner à tout moment au menu principal en sélectionnant l'icône en haut à gauche de votre écran. De nombreuses pages contenant des images, des textes et des illustrations sonores sont associées à chacun des commentaires. Elles sont représentées par une série d'icônes situées en bas de l'écran. Pour en visualiser le contenu, déplacez votre curseur dessus. Sélectionner l'un de ces icônes vous emmène à la page correspondante. Si cette page contient une illustration sonore, vous pouvez l'écouter en cliquant sur l'icône du haut-parleur. La plupart des pages contiennent à la fois un texte et une image. Déplacez votre curseur vers la zone droite de votre écran et le texte apparaîtra. Replacez votre curseur pour revenir à l'image. Vous pouvez imprimer l'image ainsi que le texte d'une page en sélectionnant l'icône « Impression » en haut à gauche de votre écran. Afin de revenir aux commentaires, sélectionnez l'icône « Retour » en bas à droite de votre écran. À côté de ces derniers, se trouve l'icône « Contrôle » qui apparaît tout au long du programme et à partir duquel vous pouvez sélectionner toute une série de touches de commande pour le bon déroulement du programme. Volume permet de régler le niveau sonore. Choisissez le niveau sonore et cliquez sur « OK ». Quitter vous fait sortir du programme. Index permet de choisir un sujet du programme et un index complet de A à Z. À partir de ces touches, vous sélectionnez et visualisez le contenu du programme. Historique liste les parties du programme que vous avez explorées jusqu'ici dans cette section. Sélectionnez et cliquez sur la partie que vous souhaitez revoir. Aide fait apparaître la fonction des icônes et des touches de contrôle du programme. Vous pouvez également revoir ce sommaire ou bien consulter l'écran Aide sur l'index. Un glossaire définit chacun des termes qui ne vous sont pas familiers. À tout moment au cours du commentaire, vous pouvez cliquer sur l'icône Retour afin de revenir au menu du chapitre ou bien revenir directement au menu principal. À présent, sélectionnez l'icône Contrôle si vous souhaitez faire apparaître directement l'écran Aide. Depuis la naissance de notre civilisation, nous recherchons une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre planète. Au fur et à mesure de l'enrichissement de notre savoir, nous avons fait reculer les frontières de l'inconnu en résolvant bon nombre des mystères qui ont intrigué nos ancêtres. Un espoir que la science et le rationnel peuvent et parviendront finalement à révéler la vérité inhérente à notre existence. Mais aujourd'hui, on est bien loin de tout savoir. Il semble même que l'on ait perdu de ce pouvoir dont bénéficiaient les premières civilisations. Notre planète détient encore bien des secrets. Plus nous l'étudions, plus il reste de lois à découvrir sur la science et la nature. Ce monde que nous ne devons pas ignorer est le monde des phénomènes inexpliqués.
les fléaux de créatures tombant du ciel, les écarts temporels, les lieux hantés et les rencontres avec des spectres, la combustion humaine spontanée, des phénomènes simplement relatés dans le passé, mais qui sont encore vécus aujourd'hui, tels les visites répétées d'OVNI, les enlèvements par des extraterrestres, les monstres et les bêtes que l'on ne parvient pas à capturer, et les forces mystérieuses qui échappent à la science malgré les efforts de recherche, l'influence de l'esprit sur le corps, les forces télépathiques et psychiques, et les convaincantes expériences de la mort approchée. Il est clair que nous avons encore beaucoup à apprendre sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure, et il nous faut étudier l'évidence. Explorons le monde des phénomènes inexpliqués. Un homme sensé dans un monde fou. Voilà comment décrivait Charles Hoyfort, le grand collectionneur américain de phénomènes étranges. D'habitude, l'expression « un monde fou » fait référence à ses habitants. Mais Fort pensait que c'était notre planète elle-même qui était étrange et habitée de mystérieux phénomènes que la science n'explique pas. Fort étudia ce qu'il appelait l'innaturel durant 30 ans. Dans un seul ouvrage, il compila 40 000 cas extraordinaires d'événements innaturels, des événements qui ne peuvent être expliqués par les lois de la nature et qui ont donc été rejetés par la science. Ceci le poussa à parler de ces phénomènes inexpliqués comme du royaume des damnés. Traversant le ciel. Ce phénomène peut paraître étrange, mais il a été étudié et expliqué par les scientifiques, et il est maintenant considéré comme naturel. Des pluies de grenouilles tombant du ciel, en revanche, cela paraît étranger aux lois normales de la nature. Ces phénomènes étaient inexpliqués du temps de Fort, et ils le sont encore aujourd'hui. Presque toutes les informations de Fort proviennent d'anciens livres et journaux. Son but n'était pas d'expliquer les faits extraordinaires, mais simplement d'affirmer qu'ils existent. La liste qu'il établit était variée. Des navires naviguant dans le ciel, des batailles aériennes d'armées spectrales, des boules de feu et des combustions spontanées. D'étranges coïncidences, des auras d'esprit qui apparaissent si clairement en voyant qu'elles peuvent être peintes. La science s'appuie sur la persévérance. Au contraire, les idées de Fort étaient audacieuses, souvent brillantes et inspirées. Quand il lut qu'une mystérieuse huile jaune était tombée du ciel, sa réaction ne fut pas de l'analyser, mais de proposer l'existence d'un vaisseau spatial naviguant entre Vénus et Mars et dont les moteurs fuiraient. Il n'y avait aucune preuve tangible de l'existence d'un tel vaisseau. Pourtant, sa théorie incongrue frappa l'imagination populaire.
après Charles Fort, il fut difficile de ne pas imaginer que les ovnis puissent exister. Depuis la mort de Fort en 1932, quelques-uns de ces phénomènes ont été étudiés par des scientifiques et des psychologues modernes et ne sont plus considérés comme appartenant au royaume des damnés. Pourtant, encore aujourd'hui, la plupart des phénomènes étranges que Charles Fort a recueillis restent inexpliqués. De mystérieux feux célestes ont souvent été reportés. Au Moyen Âge, on croyait que les boules de feu venaient des monstres cracheurs de feu au-dessus de la terre. Des créatures mythiques, comme le dragon de feu, venaient d'une bande de feu entre la terre et la lune et pouvaient s'échapper pour ravager la terre. Ce mythe était toujours vivace au XVIe siècle, lorsque deux des plus célèbres feux célestes furent rapportés, à Nuremberg en Allemagne et à Bâle en Suisse. Personne ne fut blessé, mais les boules de feu peuvent être mortelles et on en signale encore, malgré l'opinion des scientifiques, pour lesquelles elles n'existent pas. Le mystère du feu le plus terrifiant est sans doute la combustion humaine spontanée, où des hommes ont été entièrement brûlés, sans aucune cause apparente. En 1951, en Floride, on retrouva dans de mystérieuses circonstances la dépouille calcinée de Mary Reeser, 67 ans. Son corps était presque complètement désintégré, mais autour, tout semblait intact. Les experts ne purent déterminer la cause ou la nature du feu et il reste inexpliqué à ce jour. Un cas classique de combustion humaine spontanée. Lorsque des cadavres carbonisés sont découverts, la malveillance est souvent en cause, mais parfois des gens ont pris feu en public. En 1938, à Chelmsford, en Angleterre, une fillette prit feu subitement dans une salle de bal et mourut. En 1980, toujours en Angleterre, une jeune fille prit feu dans une discothèque. Les victimes de la combustion spontanée avaient-elles absorbé une trop grande quantité d'alcool? Portaient-elles des vêtements inflammables? Ces hypothèses n'expliquent pas l'intensité de la chaleur nécessaire pour réduire les eaux en cendres. Récemment, un chercheur a suggéré que la combustion spontanée pouvait être provoquée par des gaz combustibles. Mais comment et pourquoi? Le mystère demeure. Carl Jung croyait que nous devrions ouvrir notre esprit et nos vies à la synchronicité et montre avec quelle fréquence les coïncidences semblent nous aider. Une femme possédait une pièce porte-bonheur gravée à ses initiales. Un jour, elle l'égara et en fut contrariée, jusqu'à ce qu'elle fasse ses courses et qu'on lui rende la monnaie et sa pièce. Un grand évêque fut démis de ses fonctions et dut retourner à l'humble vie de moine. De désespoir, il jeta sa bague dans un lac. Une semaine plus tard, les moines eurent un poisson au menu et lorsqu'on l'ouvrit, la bague était à l'intérieur. L'évêque fut triomphalement réintégré dans ses fonctions. Ces exemples sont certainement parmi les coïncidences les plus satisfaisantes. Ils nous persuadent qu'une force puissante et bienveillante gouverne notre vie. Que l'on essaie de faire le bien ou le mal, nous en savons aussi peu sur les conséquences à long terme de nos actions que le poisson quand il avala la bague de l'évêque.